regardez ma télé. Gardez-moi donc, je vous pardonne. Jésus-Christ l'a déjà fait. Prenez tous mes comptes bancaires. Prenez mes larmes et tant de peine. Faites-moi honte, faites-moi la guerre. Salissez même ma vie privée. De toute façon, ça ne me fait rien. Quand j'ai rendu mon âme à Jésus, à lui je me suis engagé. Puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de prêcher. La 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 la, la 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 la. Prenez mon livre, ma bague en or, ma bonne humeur, mon site internet, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur. Et non, je n'ai plus rien à craindre. Quitte à tout prendre, n'oubliez pas la voiture et le frigidaire. Tout ce qui me reste est compte pour moi. Prêcher l'évangile 7 jours sur 7. En Christ, j'ai mis toute ma confiance. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas ma liberté de prêcher. Ma liberté de prêcher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme ça? La, 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 la. Comme en France. La 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 la. Je peux vider mes poches sur la table. Prenez tout ce que vous trouverez. Restez sans rien, j'en suis capable. Mais vous n'aurez pas ma liberté de prêcher. Quitte à tout prendre et tout sauter, prenez tout ce qui vous arrange. J'ai une parole à vous donner, cela vous semblera étrange. Vous pouvez bien même tout garder, je n'emporterai rien dans le ciel. Quitte à tout prendre, je préfère y aller. Au paradis, tout m'est offert. Hey! Quand j'ai rendu mon âme à Jésus, à lui je me suis engagé. En lui je suis inébranlable, donc vous n'aurez pas. Non, vous n'aurez pas ma liberté de prêcher. Ma liberté de prêcher. Merci beaucoup. Wow, on continue à acclamer le Seigneur pour sa présence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant que la chorale se prépare, voilà, la chorale se prépare, nous allons ici, si le groupe, le concours de danse entre Akanda des Bosses et Centre-Ville de la Gloire, voilà, est-ce qu'un des groupes est prêt? Akanda des Bosses, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont prêts? Qui se prépare pour leur passage? Est-ce que Centre-Ville de la Gloire est là? Est-ce qu'ils sont prêts pour leur passage? Ok, nous invitons donc Centre-Ville de la Gloire sous vos acclamations, s'il vous plaît. Centre-Ville de la Gloire, la chorale se prépare pour son passage. Les acclamations, ne nous arrêtons pas, ne nous fatiguons pas. Encourageons nos danseurs, Centre-Ville de la Gloire. Voilà, le centre de la déléguée scolastique. Centre-Ville de la Gloire.
Nous continuons à acclamer. On Christ the solid rock I stand. No double-minded shifting sand. On Christ the rock I plant my feet. A firm foundation for me. On Christ the rock I place my heart. And trust in her. Waouh, le centre-ville de la gloire. Le centre de la déléguée scolastique. Vous l'avez vu accompagner cette danseur. Waouh, gloire à Dieu. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, je vous rappelle que c'est la présentation de l'équipe vainqueur du tournoi des jeunes. Alléluia. Voilà, l'équipe d'Akanda des boss. Est-ce qu'ils sont prêts? Nous allons donc pour cela rapidement inviter l'équipe d'Akanda des boss. Et puis on va faire un vote. Le vote va être fait par le public.
pour nous dire quel est le meilleur groupe. Vous avez observé le premier groupe de centre-ville. Maintenant, nous avons le groupe d'Akanda des Boss. Alors, nous sommes là pour commencer à préparer notre note. Alléluia! Est-ce que le peuple est avec moi ce matin? Oh, acclame Jésus, acclame Jésus! Gloire à Dieu! Alors, nous invitons le groupe Akanda des Boss. Attention, ils sont toujours premiers. Ils sont toujours premiers. Vous connaissez de quoi je parle, hein? Je confirme. Akanda des Boss est toujours premier. Je confirme. Attention, hein? Akanda des Boss, nous vous attendons. Akanda des Boss, Akanda des Boss. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Le pasteur Milran, responsable du centre, attend Akanda des Boss. Yes. C'est la responsable du grand centre d'Akanda. Yes. Clamons le Seigneur pour attendre Akanda des Boss. Et si Akanda des Boss est prêt, Akanda des Boss. Yes. Des Boss. Akanda, c'est ici. Go. Ça, c'est Akanda des Boss, hein? Yes! On fait tout, Akanda. Yes! 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 C'est Akanda des Boss. Thank you.
Imaginez la chute. Akanda des boss, Akanda des boss. Oh, ça c'est le pasteur Mirina, le responsable d'Akanda des prestation de centre-ville et nous voulons faire un vote. Alors, lorsqu'on va citer le groupe de danse, les gens lèvent simplement les mains pour le vote et puis on va voir ceux qui ont plusieurs mains pour un groupe. Est-ce que c'est bien suivi? Est-ce que c'est bien suivi? Centre-ville, comment ça s'appelle? Centre-ville de la gloire. Centre-ville de la gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, nous passons à Akanda des boss. Non, attendez, on reprend. Parce qu'on doit voir, on revient de centre-ville là-bas. Hein. On revient de là-bas. Donc, on va voir ceux qui seront plus nombreux. Hein. Alléluia. Centre-ville de la gloire. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Akanda des boss.
Bon, en vérité, je vais vous donner un conseil. Hein. Akanda des boss, enlevez le nom des boss dedans. Enlevez le nom des boss dedans. Parce que ce n'est pas le boss le responsable d'Akanda. Le responsable d'Akanda, c'est l'ancienne Myrina, qui est accompagnée de ces hommes et ces femmes fortes. Alléluia. Et le centre ville de la gloire, et c'est aussi la déléguée scolastique qui est accompagnée de ces hommes forts. Donc vous-même, vous avez vu que c'est centre ville qui a gagné. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pourquoi on enlève le nom du boss? Parce que quand on dit, bon, nous on pense que c'est Akanda des grands, hein? C'est Akanda des grands, mais ce n'est pas Akanda du boss. Alléluia. Parce que les enfants ne peuvent pas battre leur père. Les fils ne peuvent jamais battre le père. Est-ce que c'est normal ou ce n'est pas normal? Le fils ne peut pas battre son père. Donc ce n'est pas Akanda du boss, mais c'est Akanda des boss. Alléluia. Gloire à Dieu pour la déléguée scolastique et son groupe de danse. Nous acclamons encore le Seigneur. Est-ce que c'est bien d'être ensemble ou c'est pas bien? Alors la Bible dit qu'il est beau, il est beau et doux pour les frères de demeurer ensemble. Est-ce que ces moments sont merveilleux ou c'est pas merveilleux? Est-ce que ce sont les moments de la gloire ou c'est pas les moments de la gloire? Ce sont des bons moments. Yes. On ne devait pas chercher les chrétiens à de tels moments. Je confirme. Les chrétiens doivent être contents d'être dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle. Yes. Alors, je ne sais pas, nous sommes toujours en train de demander à la chorale de se préparer. Nous sommes toujours en train de demander à la chorale de se préparer. Quand ils seront prêts, ils vont nous faire signe. Et aussi, nous allons tout à l'heure déjà commencer avec la présentation des maisons. Nous allons commencer avec la présentation des maisons. Alors, nous allons passer par centre. C'est mieux que les responsables des centres, voilà, présentent les maisons et aussi certainement avec les pasteurs qui ont pu amener leur famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque le responsable du centre va appeler une maison, le responsable de la maison et sa famille se lèvent à sa place et nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, à tout honneur, tout Seigneur, je pense que ce qu'on dit, ce n'est pas trop. Il est bien que ça commence par le responsable du centre des PK. Alléluia. Voilà, j'espère que les maisons, les responsables des maisons du centre des PK sont bel et bien là. Alors, nous allons commencer avec la famille Stanislas Nzamba. Voilà, une de nos communautés de Lalala à droite qui ouvre une famille spéciale du côté de Zangé. Et nous avons donc la famille qui est représentée aujourd'hui, donc la maison qui est là. Et nous voulons demander à Madame Nzamba, voilà, son mari étant au travail, c'est un militaire. Mais ils vivent trois dans la maison. Il y a Monsieur Stanislas Nzamba, il y a Madame et il y a le frère. Si Madame Stanislas Nzamba est là pour le compte de Lalala à droite aux Anguilles, qu'il se lève. Qu'il se lève. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, ils nous ont fait l'honneur de nous donner leur maison du côté d'aux Anguilles. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? C'est une grâce d'avoir des maisons pour adorer. Et ils nous ont fait cet honneur. C'est elle l'épouse. Monsieur n'est pas là. Ils vivent les trois dans la maison. Alléluia. Ils sont trois parce qu'ils nous ont demandé de présenter les maisons. Et dans ces maisons, il y a des familles. Et voilà une des familles. Ok, soyez bénis. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons ici appeler la famille. C'est bon, vous pouvez regagner votre place. C'est bon. Sous vos acclamations, nous allons appeler ici la famille Ornella Obian et Minko.
Ornola Obiang et Minko, est-ce qu'ils sont là? Ornola Obiang, est-ce que la famille est là? Oui, vous pouvez avancer. Bon, il est bien peut-être que les gens se lèvent à leur place, hein, pour gagner du temps. Voilà, tout à l'heure, vous pouvez, voilà. Ça, c'est aussi une famille que nous avons gagnée au travers de notre frère Gildas, toujours sur le compte d'une famille spéciale de la communauté de Lalala à droite. Le frère Gildas est là, debout, avec le chapeau en bleu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci, merci. Alors, tout à l'heure, lorsque nous appelons les responsables de maison, il est bien de rester à vos places et vous lever simplement et nous allons acclamer. Et nous allons acclamer. Voilà, nous appelons encore une deuxième maison. Abena, Bertrand et Timba, Alexis. La famille se lève. La famille se lève. Est-ce qu'ils sont là? Là, il y a un remue-ménage sur... Voilà, la femme est là, mais le monsieur aussi est au travail, mais il nous a dit qu'il devait arriver. Est-ce qu'elle peut lever la main? Voilà, parce que nous ne voulons pas une seule personne. Nous voulons des familles dans les maisons. Voilà, c'est une maison qui a été gagnée aussi pour le compte du centre des PK. Voilà, nous avons une autre famille. C'est la famille Alda Mundunga. Alda Mundunga. La famille Arda Mundunga, voilà, ils sont là, c'est le frère toujours, Gildas, qui est là, qui a gagné cette famille au niveau de la famille spéciale d'Akurnam, une famille spéciale de Lalala à droite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Il y a un remue-ménage sur les places, et ça essaye de... Les gens sont un peu comme distraits. Nous voulons tous être concentrés sur ce que nous faisons. Alors, nous allons appeler la responsable du centre d'Ovendo qui va nous présenter les maisons, soit du centre, soit des églises dont elle a la charge. Nous voulons demander aux médias de nous donner un micro à la technique. Un micro, voilà le micro. Voilà, nous écoutons la responsable du centre d'Ovendo. Okay. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très bon dimanche à tous. Ok, nous sommes le centre d'Ovendo et j'ai le plaisir de présenter les maisons gagnées. En somme, nous avons gagné 5 maisons, dont une maison pour le centre et 4 pour les communautés que je vais citer tout à l'heure. Alors, notre branche Jésus de Sissitok a gagné 2 maisons. Il y a, diligenté par notre ancien Arnaud Badinga, le chef de la première famille, Yambimbi Gertrude, marié, vit avec, bon, disons, une maison de 7 personnes. Si la personne est là tout de suite, est-ce qu'elle peut se lever? Ok, très bien. Vous pouvez vous lever. Elle agite la main de mon côté droit. Très bien, soyez bénis. Alors, nous avons la deuxième maison gagnée. C'est la famille Kakumba Wunga Bevertili. Est-ce que la famille est là ce matin, représentée? Oui, à ma droite encore, vous êtes en train de vous lever. C'est une famille aussi de 7 personnes. Que Dieu vous bénisse. Nous passons au niveau de notre communauté du lycée technique. Le chef de famille, c'est Ilimbu, c'est Madame Ilimbu Yamangoy Martens. Chef de famille, bon, je pense que c'est une personne. Oui, ok, très bien, c'est une dame. Merci, soyez bénis pour le compte du lycée technique. Nous avons le Barracuda, dont le chef de famille, le Barracuda, c'est notre pasteur Stan. Donc le chef de famille gagné, c'est Odianga Gaston. Est-ce que Odianga Gaston, pour le compte de Barracuda, est là?
Ok, très bien. Soyez bénis avec votre famille. Nous avons enfin l'OCTRA, dirigé par notre papa Denis et maman Simone, qui ont gagné une maison également, dont le chef de famille est Likoumbi Étienne. Ok, à ma droite tout au fond, soyez bénis. Gloire à Dieu. Merci. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Voilà, nous allons passer à un autre centre, le centre de Centre-Ville de la Gloire. Sous vos acclamations. Soyez salués dans le bon et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je suis la responsable du centre Centre-Ville de la Gloire. Est-ce qu'on peut acclamer? Wow! Voilà, nous avons gagné une maison pour le compte de la branche de derrière la prison. Est-ce que la famille Nan est là? Qui se met debout? Voilà, est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Dieu! Voilà, ils sont nombre de trois derrière la prison. Nous avons pour le compte de Kingele la famille Piti Sylvain. La maison, ce sont les maisons. Piti, est-ce qu'elle est là? Piti, pour le compte de Bellevue, de Kingele. Piti, elle n'est pas encore là, ok, elle est en train d'arriver. Voilà une autre maison pour le compte de Bellevue de famille Mukanyi Miyindu. Est-ce qu'ils peuvent se mettre debout? Mukanyi Miyindu. Voilà, soyez bénis. Gloire à Dieu. Une autre famille. Pour le compte du palais de justice, la famille Mburu Kelly. La famille Mburu Kelly. Ils ne sont pas encore là, ils sont en chemin. Une autre famille, pour le compte de Lalala à gauche, elle a appelé, elle n'est pas encore là, elle est en chemin. Et pour le compte du centre-ville, nous avons la famille Mebale qui n'a pas pu se déplacer au Carrefour Léomba. Est-ce qu'on peut acclamer pour le centre-ville? Gloire à Dieu. Alors, nous allons appeler le centre de Libreville. Si le département des ministères a la liste des maisons qui se rapprochent de moi. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis la responsable du centre de Libreville. Je vais vous présenter nos maisons. Moi-même, je gère déjà une maison à Mindoubé Colline. On a commencé. Une famille spéciale là-bas, mais ils ne sont pas venus. Ils ont eu un empêchement, ils ont eu une grande cérémonie. Donc, ils ne sont pas venus, ils seront ici la prochaine fois. Le chef de famille, c'est une famille à peu près de 10 personnes. Le chef de famille s'appelle Mbati Moté, qui m'appelle même souvent, « Maman, est-ce que tu viendras ?» Alléluia. Gloire à Dieu. Donc cette famille, c'est Amine Doubé Colline. Et quand vous entendez Colline, ça veut vraiment dire Colline. Amen. Nous avons Siban qui a gagné une maison, la famille Nzam Elsa. Est-ce que la famille Nzam Elsa est là? Siban. Vous voyez qu'ils ne se lèvent pas, ils ne sont pas arrivés. Je n'ai pas de raison. Dragage a gagné une maison. La maison de Dragage, une famille a commencé là-bas. On m'a signalé qu'ils ne sont pas venus, mais la responsable de la famille a dit, elle donne sa maison. Alléluia. Elle donne sa maison. Donc ils ont commencé une grande famille de croissance. Je pense qu'ils sont à peu près 10 personnes aussi là-bas. À Siban, c'est 5 à 7 personnes. Ils ont commencé les cultes, la famille spéciale. Beau séjour, une maison, la famille Ngone et Sombe. Est-ce qu'ils sont là?
La responsable du beau séjour me dit qu'ils ne sont pas là. Est-ce que vous avez commencé les familles, les réunions là-bas? Gloire à Dieu, présentons les maisons, les personnes présentes. Nous avons Mindoubé, nous avons deux maisons à Mindoubé. La famille Mboutou, est-ce que la famille Mboutou peut se lever? Mboutou Paola, oui, elle est au fond là-bas, la maman est debout. Gloire à Dieu! Alléluia! La maman est debout. La maman est debout avec sa fille et les autres enfants sont là. Nous en ayons, nous avons la famille Mouaba Chantal. Est-ce que la famille Mouaba Chantal est là? Gloire, gloire, gloire. Ils sont là-bas, merci. C'est tout pour le centre de Libreville. Le centre de Libreville, combien de maisons? En tout, 5. 5 maisons, le centre d'Ovendo, 5 maisons, le centre de 5 maisons, 6 maisons, le centre de... Voilà, nous avons le centre de Ntoum, Komamanda, est-ce qu'ils sont là? Est-ce que le responsable de Komamanda est là? Le pasteur, le frère Lionel, l'ancien Lionel, il n'est certainement pas encore là, il est en chemin. Il va aussi nous présenter des maisons parce qu'il me les a envoyées. Je préfère attendre qu'il soit là pour qu'il présente ses familles. Alors, nous ne pouvons pas ne pas recevoir notre Père spirituel. Alléluia. Il a fait son entrée. Nous voulons simplement glorifier le Seigneur parce qu'il est là avec sa charmante épouse. Nous voulons glorifier le Seigneur pour son arrivée. Parce que c'est un don homme, c'est une grâce de l'avoir parmi nous. Je n'attends pas tes acclamations pour glorifier le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. C'est une grâce. Voilà, il est là avec notre maman, la mère de 1000 fils. Gloire à Dieu, nous pouvons nous rasseoir. Alors un jour, pendant que nous étions au séminaire au Ghana, permettez-moi de le dire, alors la femme de Papa Dag est rentrée un peu sous silence. Elle est rentrée et puis Papa Dag a dit que « Oh !» Mais moi, ma femme est rentrée, donc vous ne faites aucun geste, vous ne faites aucun signe. Mais ma femme est quand même là, acclamez quand même le Seigneur pour ma femme. Et puis les gens ont acclamé le Seigneur. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Alléluia! Acclamons Jésus pour notre maman qui est de retour parmi nous. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alors, nous allons passer à la chorale. La chorale rapidement qui va nous présenter un chant. Qui va nous présenter un chant. Rapidement, la chorale qui nous présente un chant. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Sous vos acclamations. Sous vos acclamations. On continue à acclamer le Seigneur en attendant qu'il se mette en place. Gloire à Dieu, on encourage notre chorale dirigée par l'ancien Jeffrey. C'est le leader de cette chorale. Dieu est grand, chantons-le combien.
verront et tous verront combien, combien Dieu est grand. Alors nous allons prélever notre première offrande parce que nous sommes à notre culte, voilà, du dimanche, notre célébration. Nous savons que à nos rencontres nous avons plusieurs offrandes, mais pour l'heure nous prenons la première offrande. Voilà, je voudrais ici lire un texte de la Bible pour soutenir ce que nous faisons. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres 10 à partir du verset 1.
Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Et aujourd'hui, nous sommes dans les maisons. Nous avons invité des maisons. Nous sommes dans la direction du Saint-Esprit. Alléluia! Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisis des fois, il répondit « Qu'est-ce Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. » Dis avec moi « Dieu est le Dieu du souvenir. » Dieu est le Dieu du souvenir. Sache que ce que tu fais aujourd'hui n'est pas perdu. Il est le Dieu du souvenir. Alors ce matin, jette ton pain à la surface des eaux et plus tard, tu vas le retrouver. Pour cela, lève ta main avec moi pour présenter ton offrande à Dieu. Seigneur, des actions de grâce te sont rendues parce que nous savons que c'est toi qui fournis le pain et la nourriture. C'est toi qui fournis notre semence afin que possédant toujours, nous puissions avoir de quoi donner, subvenir, Père éternel, aux besoins de la mission, aux besoins de l'Église. Merci parce que tu nous as pourvu ce matin ce que nous donnons. Sois glorifié, Seigneur, pour la multiplication au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous passons à Aquilas et Priscille. Pendant que nous prenons l'offrande, Aquilas et Priscille va nous faire une prestation pendant que nous prenons l'offrande. Et le pasteur Aviana se prépare pour la présentation du ministère tout à l'heure après Aquilas et Priscille. Yes, yes, ma'am. Aquilas et Priscille, porte ta croix. Yes. Mon frère, ne tarde pas. Frère, porte ta croix. Yes. Ma sœur, ne tarde pas. Porte ta croix. C'est la seule issue pour devenir puissant. Jésus l'a emprunté, c'est mon sauveur. On l'a sacrifié pour le monde. Il te veut pour continuer de répandre son grand nom. Il sera là, tout près de toi, annonçant règne. Et va dans le monde, délivre, enseigne et prêche, car son onction te suit. Mon frère, ne t'arrête pas. Oh oui, mon frère, frère, porte ta croix. Ma sœur, ne tarde pas. Oh oui, ma sœur, sœur, porte ta croix. C'est la seule issue pour devenir puissant. Yes, ma'am. Et tu dois l'emprunter pour être fort. Pour t'en sortir, tu dois te sacrifier.
prier. Et alors, il fera de toi un aigle. Encore, encore, sauver des âmes. De reposer sur lui. Son église s'élargit dans ce monde et sur la terre. Seulement je suivra par la foi. 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 Frère, ne tarde pas. Yes, yes. First Lord, yes, ma. Ah. Oh oui, mon frère, frère, porte ta croix. Yes, ah, ah. Mon frère, il est temps de lui obéir. Oh oui, mon frère, frère, porte ta croix. Yes. Es-tu prêt à renoncer à ton père, à ta mère et même à ta propre vie? Oh oui, mon frère, frère, porte ta croix. Yes, ah, ah. Mon frère, ne tarde pas. Ta croix, ah, ah, ah. Il te remplit pour que tu brilles. Yes. Oh oui, ma sœur, sœur, porte ta croix. Tete. Yes. Shadaraba yundelele boshata yandero. Porte ta croix, mon frère. Porte ta croix. Yes, man. The first love, yes, ma. Porte ta croix, ma sœur, yes. Sœur, porte ta croix. Yes, yeah, yes, yeah. Voilà. Directement le pasteur Alviana pour la présentation du ministère. Sous vos acclamations. 6. Alors bonjour à tout le monde. Soyez tous salués dans le précieux nom de Jésus. Amen. Voilà, je viens ici simplement pour introduire, présenter le ministère parce que nous le savons, il y a certainement des personnes qui arrivent ce matin pour la première fois et qui ne nous connaissent peut-être pas. Et donc, nous voulons nous présenter à vous. Nous sommes le ministère de la vérité pour une liberté réelle, en sigle VLR. Amen. Voilà, notre ministère est un ministère qui a une direction claire et précise. Et le but de notre ministère n'est rien d'autre que la grande église du Seigneur par mon grand engagement envers le grand Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? La grande église du Seigneur par mon grand engagement envers le grand Dieu. Est-ce qu'on peut encore le dire une fois? La grande église du Seigneur par mon grand engagement envers le grand Dieu. Voilà, ceci n'est pas simplement un slogan, mesdames et messieurs, c'est le cœur même de notre ministère. C'est ce que nous poursuivons, c'est ce que nous cherchons, c'est ce pourquoi nous travaillons, c'est ce pourquoi nous existons. Amen. Ce ministère est soutenu, mesdames et messieurs, par cette vision, ce but est soutenu par des versets bibliques, à savoir Ésaïe, le chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Également Matthieu, chapitre 28, du verset 19 au verset 20. Également 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 19. Pour savoir que nous ne poursuivons pas des choses qui viennent des pensées des hommes ou des opinions personnelles, mais cela vient de la parole de Dieu. Amen. Voilà, ce but est accompagné par deux messages très importants que je sais
que tous les fils de notre ministère connaissent très bien, mais c'est très important pour nous. Nous arrivons à ce message à travers, en disant simplement à tout le monde que nous pensons que Jésus est l'unique solution pour le salut de tous les hommes. Jésus est l'unique solution pour le salut de tout homme. Nous pensons que cela ne vient ni du Bouddhisme, ça ne vient pas de l'islam, ça ne vient pas d'une quelconque religion, ça ne vient pas d'une quelconque pratique, mais cela vient par Jésus-Christ seul. Amen. Voilà, et Jésus nous dit dans Jean le chapitre 14, le verset 6, que « Nul ne va au Père que par moi, car il est le chemin, la vérité et la vie. » C'est ça ou c'est pas ça? Le deuxième message de ce ministère est simplement celui de délivrer tout homme de toute forme de manipulation mentale et religieuse. Voilà, nous ne pouvons pas éviter le sujet. Il y a des fausses églises, il y a des faux ministres, il y a un faux évangile, il y a des faux frères en Christ, il y a des faux fidèles, malheureusement. Et donc, le sujet du faux ne peut guère être évité. Il y a beaucoup de faux. Et le ministère VLR, à travers la vérité qu'est Jésus, travaille à enlever, à faire sortir les hommes de toute forme de manipulation mentale, à faire sortir les hommes de la religiosité. Voilà, parce qu'à un moment donné, à force d'aller à l'église, on peut rentrer dans une culture religieuse sans être né de nouveau. C'est ça ou c'est pas ça? Alors, simplement pour terminer, mesdames et messieurs, notre ministère a 5 objectifs clairs. Voilà, parce que nous ne sommes pas un ministère qui s'appuie sur la personnalité. Nous ne sommes pas un ministère qui s'appuie sur les programmes. Nous ne sommes pas un ministère qui s'appuie sur les autres choses, mais nous avons des objectifs clairs que nous poursuivons chaque jour. Et le premier objectif est celui de gagner toujours plus d'âmes. Gagner toujours plus d'âmes. C'est-à-dire emmener chaque jour des personnes à l'église pour qu'elles deviennent des membres. C'est ce à quoi nous travaillons. Et autour de ça, il y a plusieurs choses comme le 7 sur 7, le 365 First Love Industry et toute l'évangélisation que nous mettons en place. Amen. Le deuxième objectif est celui d'enseigner toujours plus de membres. Amen. Enseigner toujours plus de membres, c'est-à-dire enseigner aux gens à vivre selon Christ. Le troisième objectif est celui d'établir toujours plus de pasteurs. Établir toujours plus de pasteurs, former les chrétiens pour qu'ils rentrent dans leur niveau de disciples. Amen. Et le quatrième objectif est celui de construire toujours plus d'églises. Voilà, c'est ça, cela signifie commencer des églises partout dans le monde. Amen. Et enfin, notre dernier objectif, mesdames et messieurs, est celui d'envoyer toujours plus de missionnaires. Voilà, notre ministère est un ministère missionnaire. C'est la raison pour laquelle nous sommes à différents endroits dans le monde. Nous sommes aujourd'hui au Canada, nous sommes en Chine, nous sommes en Allemagne, nous sommes en Russie, mesdames et messieurs, un pays très fermé, mais nous y sommes par la force du Saint-Esprit. Nous sommes au Maroc, nous sommes au Sénégal, nous sommes au Togo, nous sommes en Afrique du Sud et bientôt nous serons partout dans le monde. C'est ça ou c'est pas ça? Je pensais que tu allais acclamer très fort. Voilà, mesdames et messieurs, simplement pour vous dire que vous êtes arrivés dans une merveilleuse famille ce matin. Si vous arrivez pour la première fois et que vous étiez venu en observateur, vous n'avez plus besoin d'observer. Vous êtes dans la meilleure famille du monde mondial. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, amen. Et bien, messieurs, on acclame, on acclame, on acclame. On acclame le Seigneur. Est-ce que vous êtes pas fatigué d'acclamer? Acclame une fois. Non, une fois. Acclame une fois. Acclame deux fois. Trois fois. Ouais, on acclame, on acclame, on acclame. Ouais, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est notre culte de célébration, d'adoration. Nous devons nous sentir libres dans la présence de Dieu. Alors nous voulons ici rappeler les groupes. Alléluia. Les groupes de danse. Alors nous avons Akanda des Boss et nous avons le groupe Centre-Ville de la Gloire. C'est Akanda des Boss, hein? C'est pas Akanda du Boss. Voilà, c'est Akanda des Boss. Ça veut dire que là-bas, il n'y a que des grands. Alléluia. Et Akanda des Boss a un responsable, une femme forte. Voilà, elle n'est jamais battue, hein? Elle est toujours première. Vous savez de quoi je parle, hein?
Voilà, c'est le pasteur Mirinas qu'on peut acclamer. Gloire à Dieu. Et nous avons le centre-ville de la gloire qui est dirigé aussi par une femme forte, hein? Une femme très diligente. Alors le pasteur Mvoulou Scolastic l'a délégué. Voilà, nous allons réinviter nos groupes de danse. Parce que vous nous avez tellement émerveillés que nous voulons encore revoir ces prestations. Alléluia. Est-ce que le centre-ville de la gloire est prêt? Alors nous voulons inviter ici le centre-ville de la gloire sous vos acclamations, s'il vous plaît. Le centre-ville de la gloire. Le centre-ville de la gloire. Sous vos acclamations, le centre-ville de la gloire. On Christ the solid rock I stand. No double-minded shifting sand. On Christ the rock I plant my feet. A firm foundation for me. On Christ the rock I place my heart. And trust in her. DJ AKM, é assim, chefe.
cabeza. Hey, shit. Let's go, shit. Bloco, 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 bloco. Bloco, bloco, bloco. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut taper les mains? Bloco, 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 bloco. Hey. Bloco, 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 bloco. C'est dangereux. DJ AKM et Koumé. Mon Dieu. La gloire. Dans la sauce. Waouh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer? Les petits sont dangereux. Nous allons recevoir Akanda des boss. Sous vos acclamations. Pas Akanda du boss, hein? Akanda des boss. Yeah, yeah. Alors recevons Akanda des boss. Sous vos acclamations, des acclamations, s'il vous plaît. Encourageons Akanda des boss. Akanda yeah, yeah. des boss. Les commandos. Aïe! Akanda des boss. En plus, Akanda des boss. En plus, c'est bossé. Le niveau en élève. What a menace. C'est Akanda qui jigue. V. Yeah. L. Yeah. A. Yeah. Nous sommes. Go. Akanda. Yeah. Les boss. Yeah. J'insiste. Yeah. Je résiste. Yeah. Je persiste. Yeah. Je me relâche. Yeah. Wouh. Est-ce qu'on peut taper les mains? C'est dangereux par ici. Yeah, yeah. Les enfants ne sont pas simples. Les enfants sont forts. Et au bravo. Chez DJ AKM. Et assis chez. Ça un bloc da cabeça. Hey chez. Let's go chez. Bloc, bloc, bloc. Bloc, bloc, bloc. Bloc, bloc, bloc. Bloc, bloc, chez. Bloc, bloc, bloc. Akanda des boss. Akanda des boss. C'est dangereux par ici. DJ AKM. Top, top.
baisser le dos. Aïe. Les enfants sont sérieux. C'est sérieux par ici. Il faut taper les mains, il faut taper les mains. Les enfants sont forts. Alléluia. Voilà, le boss est là, le père des pères. Donc, il est présent et tout à l'heure, nous aurons le résultat de tout ce qui vient d'être fait. Alléluia. Amen. Alors, pour cela, nous appelons le pasteur Linda, voilà, qui va nous entretenir. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Like you.
t'adorer. Et je bénis ton saint nom. Tu mérites la louange. Tu mérites la louange. Et les honneurs. Et les honneurs. Seigneur, je lève mes mains lève pour mes t'adorer. Et je bénis ton saint nom. Car tu es lié. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Comme toi. Non, personne n'est comme toi. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Tu fais de si grands miracles. Jésus,
Jésus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jésus. Que Dieu vous bénisse pleinement. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. May God bless you. You may be seated in God's presence. Je peux avoir un retour avec la technique. Wow. Wow. Tu peux regarder quelqu'un juste à côté de toi et lui donner le bonjour avec le regard. Juste avec le regard. Can le you bonjour look avec to le regard. Close to you, just vous, savez, vous, vous savez qu'on ne s'embrasse plus. Sinon, Seigneur, nous serons tous en ce moment les mains. Les bras dans les bras. You know, we cannot hug each other, so we just look to each other. Combien de fois nos enfants sont merveilleux de danser ici devant? How many times our children are wonderful to dance? Les jeunes sont utilisés pour voler, tuer, pour braquer, pour se prostituer maintenant. Young people are used to steal, to waylay, to do many evil things today. Ils sont victimes d'impressionnisme, même dans les établissements. Les professeurs abusent des enfants. Teachers abuse. So many things happens on our children today. Et quand today. Vous pouvez voir des jeunes investir leur énergie à étudier, connaître Dieu et danser, ça devrait vous faire plaisir. When they can see children using their energy to study, dance for God, it should, you should delight in it. Je vous informe que parmi ces jeunes, ils sont nombreux qui ont le bac en ce moment. Ils sont des étudiants, ils sont viennent d'être des bacheliers. Et ils ne sont pas en ce moment à la gare routière, ou bien ils ne sont pas en train de se prostituer quelque part. Ils sont là en train de danser devant l'église. I'm et telling you that grâce. A lot of these young people are bachelors. They have their exam. They are not prostitutes somewhere, wow. But they're here dancing in the church. Il faut vraiment encourager les enfants. You really must encourage les the children. Les réseaux sociaux sont une arme très forte et qui peuvent, sans que vous le sachiez, détruire vos enfants à votre insu. The social networks are a weapon that can, without you knowing, destroy your children. Encouragez vos enfants à prier et à venir à l'église. Encourage your children to pray and come at church. Tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans le monde, y compris au Gabon, vient du fait que les adultes d'aujourd'hui n'ont pas été bien encadrés hier. All what we can assist today in the world means that all the grown-ups have not been well trained when they were young. Ils sont allés à l'école, ils ont étudié, mais ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui ils soient cupides, meurtriers, égoïstes. They went to school, they studied, but they did not avoid them to be cupids today, to steal and do a lot of bad things. Dieu est le seul qui traite le cœur de l'homme. God is the only one to treat humans' being hearts. Hallelujah. Amen. Alors je voudrais vous dire bonjour à tout le monde. So I would like to say hello everyone. Que la grâce de Dieu soit sur vous, sur vos enfants et sur votre famille. May the grace of God be upon you, your children and your family. Je voudrais maintenant convier tous ceux qui font un service quelconque à bien vouloir trouver une place. I would like to invite all those who are doing a service to find a seat. En m'appuyant sur la coordination et la sécurité, je demande à ce que ceux qui sont dehors aussi trouvent une place pour écouter la parole de Dieu. I ask the committee of organization to help everyone here, even those outside, to find a place. J'insiste à demander à la sécurité et à l'accueil de trouver à tout le monde une place, y compris ceux qui sont dehors au portail. I insist to ask to the welcoming and the security service to ask everyone, even those outside, to find a place. Et si on peut demander au comité Impact de continuer à nous ouvrir un peu la tente de ce côté pour que l'air passe. And if we can ask the Impact Committee to open the tent on this side so that the air. Est-ce qu'on peut on. Encore acclamer Jésus? Can we still clap Jesus? Wow! Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu sur un de nos livres. Today we will share the word of God on upon one of our books. Comment vous pouvez devenir un chrétien fort? How you can become a strong Christian? C'est le livre du mois. It's the book of the month. Chaque mois, nous avons un livre. Each month we have a book. Et ces livres viennent de ces bibliothèques que nous avons en grand nombre. And this book comes from this library that we have in great number. C'est la bibliothèque de notre père spirituel Dagewan Mills. It's our father's Bishop Dagewan Mills library. Nous sommes tellement bénis d'avoir cette bibliothèque. We are so blessed to have this library. Quasiment tous les sujets de la foi sont abordés. Almost all the subjects of faith are touched. Hallelujah. Amen. Et donc nous serons
à partager pour la prédication de ce matin sur comment vous pouvez devenir un enfant de Dieu fort. So for this morning service, we will share the word of God on how you can become a strong son of God. Je suis conscient que les pasteurs dans les communautés, n'est-ce pas, s'attellent à ont commencé à partager ce livre. I am aware that all the pastors in the churches have started to share this dans book. Dans les familles de croissance, in the growth families, et dans les comités. And in committees. Lorsque nous partageons un livre dans le ministère VLR, c'est de manière, j'ai envie de dire, de manière mondiale. When we share a book in the ministry of the Truth for Real Freedom, it's c'est-à-dire in a worldwide que dans toutes les provinces du Gabon, nous devons partager ce livre. Meaning that in all the provinces we share this book. Nous devons partager ce livre aussi dans tous les pays où nous nous trouvons déjà. We ought to share this book in all the countries where we are. Nous avons un livre par mois. We have a book each month. Je crois que le dernier livre que nous venons de lire, c'était lequel? Les autres. Les autres existent aussi. The last book that we have shared was called Others. Wow! Wow! Magnifique. Wonderful. Hallelujah. Amen. Je dirai tout à l'heure qui a gagné. I will say later on who has won. Entre les jeunes. Between the young people. Nous avons, je peux avoir le premier responsable de chaque groupe, s'il vous plaît. Can I have the first leader of each group, please? Il peut venir en courant. Who can come running? Le responsable de chaque groupe. The leader of each group. Ah, wow. Wow. C'est toi le premier responsable du groupe. Centre-ville de la gloire. Oh, downtown of the glory. Tu es un très bon groupe. Vous êtes très dynamique. You have a very wonderful group. You're magnifique. Dynamic. Vous travaillez où? Where do you work? À la droite. Hein? Ah, vous travaillez à Bellevue, à la communauté de Bellevue 2. Wow. He works magnifique. At the community of Bellevue 2. Cool. Et vous êtes d'Akanda. Tu es élève ou bien? Qu'est-ce que tu fais? Ok. Et vous êtes la responsable d'Akanda. Yes. Magnifique. Wonderful. Alors venez montez. Alors je vous annonce qui a gagné. Alors le truc c'est ils ont tous gagné une tenue désormais. On va acheter une tenue désormais pour tous les deux groupes. Yes. Ils ont. Woo! Yeah. Donc désormais vous n'allez plus bricoler les trucs jean ici, vous aurez désormais une tenue qu'on va vous offrir. C'est ce que vous avez gagné. Que Dieu vous bénisse. Waouh! Magnifique. Wonderful. Hallelujah. Amen. Yes, Pasteur Linda. Yeah. You know.
avec toi. Avec toi. Juste être avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie du pasteur Linda? Can we clap the Lord for Pastor Linda's life? Wow. Merci. Thank you. Le pasteur Wilson, 2 minutes. Le pasteur Linda se marie ce samedi même. Pastor Linda will get married this Saturday. Elle est déjà mariée à la coutume, maintenant elle se marie à l'état civil et à l'église. She get married at the church and the civil. C'est ce samedi même. It's this Saturday. Son mari est quelque part là. His husband is somewhere here. Que Dieu vous bénisse. Wow! God bless. Wow! Nous pouvions rester dans ce culte seulement à chanter. We can stay in this service only singing. À chanter, à adorer. Sing, worship. À célébrer Dieu. Celebrate God. On m'a dit que Akanda n'a pas encore présenté ses maisons. He said that Akanda did not present his houses. Est-ce que le pasteur d'Akanda, le responsable de la zone d'Akanda est là? Is the pastor of Akanda's zone is there? Est-ce que le pasteur a sa liste? Est-ce que je peux prendre 2 minutes? Est-ce que ça peut se faire rapidement? On m'a dit que Ntumo aussi est là. Ntumo has arrived. Il y a un jeune responsable qui coordonne nos églises au niveau de Ntumo. C'est pas facile pour Ntumo de se déplacer. C'est plusieurs kilomètres. Je crois que quelques-uns sont là. Je ne sais pas s'il a aussi sa liste. Il faut se rassurer qu'il est venu avec. S'il n'est pas venu avec sa maison, il n'a pas besoin de prendre quelques minutes, il faut juste le rassurer. Wow, magnifique. Yes. Bonjour à tous. Alors pour le centre d'Akanda, pour le compte du centre, nous avons 3 maisons. Ok. Le premier campement avec Maman Diba, Yves, Marie. Ils sont là. Acclamons Dieu pour cette famille qui est là. On peut acclamer fortement, mais vraiment fortement pour une famille. Yes, magnifique. Oui. Toujours pour le compte du centre, on a Marseille 2 avec la sœur Eyanze Michel. Waouh, on peut acclamer Dieu. Waouh, magnifique. La grâce de Dieu. Toujours pour le compte du centre, nous avons Martel avec le frère Tonda Stéphane qui est en déplacement. D'accord, mais donc il n'est pas là s'il est en déplacement.
Donc, on a pour le compte des églises, nous avons 11 églises. Nous avons Amboé avec Maman Leboussi, Hélène. Donc, dans la zone, on a 11 églises et voilà, Maman est là-bas, on acclame. Oui. Nous avons Amissa avec Ngélé Joséphine. Waouh! Bonjour, Maman, la grâce de Dieu. Magnifique. Nous avons Asegna avec la famille Akumbu Yannick. Waouh! Magnifique. Magnifique. Nous avons Cap Caravane avec le frère Adam de Ludovic. Waouh! Magnifique. Nous avons Diba Diba avec le frère Johan Arthur. Ah, c'est une autre, c'est une femme. Waouh! Nous avons Marseille 2 avec Madame Kobi Marissa. Waouh! Magnifique. Nous avons Martel avec le couple Mouboutou et tout, Séverin. Il n'est pas là ce matin. Ok. Nous avons Okalami ne sont pas présents pour des problèmes professionnels. Nous avons le premier campement avec Mugola Audrey. Waouh! La grâce de Dieu. Magnifique. Nous avons le PK 18 avec Mwanga Justine. Waouh! Et enfin, nous avons Bikele avec le couple Mutuki Guy Amour. Waouh! Magnifique! C'est tout pour le compte d'Akanda. Alléluia! Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Voilà. Alors, nous voulons dire à la queue et à la sécurité qu'il y a suffisamment de chaises. Veillez à ce que les gens s'asseyent. Et s'il manque de chaises, ajoutez des chaises pour que les gens ne restent pas dehors devant la porte. S'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alors, nous pouvons écouter la parole de Dieu maintenant rapidement. Je rappelle que tout à l'heure, après le culte qui s'apprête à terminer après la parole de Dieu, nous aurons une séance de travail comme l'habitude avec tous les responsables de toutes les familles de croissance, les églises et toutes ces choses. I would like to remind everyone that we will hear the word of God and after the service we have a working session with all the leaders of the church. Voilà, et même certaines personnes qui sont venues avec d'autres personnes et qui devront attendre que d'autres personnes finissent leur réunion avant de partir. And even the people who came with some people who have to wait after for the other people to end up their session work. Wow! Wow! C'est juste magnifique. It's only wonderful. Alléluia. Amen. Alors, qui a déjà vu ce livre quelque part? Who has seen this book somewhere? Le thème de notre document du mois, c'est comment pouvez-vous devenir un chrétien fort? The topic of this month is how you can become a strong Christian. Vous savez, la plupart des hommes sont forts. You know, most men are strong. Pas dans les mêmes domaines. Not in the same sectors. Les hommes sont forts, d'autres sont forts pour critiquer. Some people are strong to criticize. Des gens sont forts, d'autres sont même forts pour voler. Si certaines personnes vous expliquent comment elles font pour voler, vous serez très étonné. If some people explain you how they do to steal, you'll be really astonished. Il y a des gens qui sont même hyper forts. There are even people who are hyper strong. Ultra forts. Ultra strong. Qui sont capables de faire des détournements de fonds sans laisser de signes. They are able to steal the government money without leaving signs. Les gens sont même très forts. People are even very strong. Je connais un pays hyper fort. I know a country that is les habitants really de strong. Ce pays, j'estime qu'ils sont très, très forts. The living people of those countries are very, very strong. Ce pays commence par G. That country starts by G. Dans ce pays, in that country, il y a de l'uranium. There's uranium. Du pétrole. Petroleum. Du bois. Wood.
Il y a tout ce qu'on peut imaginer du fer. There's all what we can imagine, iron. Mais les habitants de ce pays But the people who dwell in that country réussissent à être pauvres tout en étant riches, très riches. Succeed to be poor even though they are very rich. Il y a des gens qui sont hyper forts. There are people who are very strong. Même forts pour ne pas progresser. Even strong not to progress. Il y a des gens qui sont hyper forts. There are people who are really strong. Ils peuvent oublier ce qui est même hyper important. They can forget what is really important. Les hommes sont forts. People are strong. Ne vous imaginez jamais que les hommes sont faibles. Never think that human beings are weak. Les hommes sont forts. Human beings are strong. À la seule différence, the only difference, c'est qu'ils sont de fois forts dans les mauvais domaines. Sometimes they are strong in the wrong sectors. Vous êtes avec moi? Are you there? Vous êtes là? Are you there? Par exemple, certains sont forts pour venir dormir à l'église, prendre le taxi, se déplacer juste pour venir dormir dans l'église. There are people who are strong to take the taxi, come at the church and sleep at church. Il faut être très fort pour prendre, pour quitter son lit et venir dormir dans l'église parmi les premières chaises. You need to be very strong to leave your bed and come and sleep at the church in the front row. Les gens sont forts. People are strong. Quand nous regardons comment les jeunes femmes s'habillent aujourd'hui, when we look how the young lady dressed themselves sans gêne, today, with no shame, sans honte, no shame, et qu'elles soient capables de montrer carrément les parties de leur corps en public, they are able to show in public all the parts of their bodies. Les gens sont forts. People are strong. Vous êtes avec moi? Qui est là avec moi? Who's there with me? Les gens sont encore plus forts. People are more strong or stronger. Ils sont capables de même grossir une fille, les jeunes garçons, et dire qui? C'est moi? Jamais. They are even able to pregnant les gens a young sont lady forts. And say it's not me. Très fort. Very strong. Juste qu'ils sont forts. Only that they are strong dans le péché. In sin. Dans le mal. In wickedness. Dans la désobéissance. In disobedience. Dans la colère. In anger. Les gens sont forts. People are strong. Ils sont même très forts. They are even very strong. Au point de dire at the point to say que tout existe, that everything exists sans que Dieu n'existe. Except God. Les gens sont forts. People are strong. Il ne s'agit pas, mesdames et messieurs, it's not about, ladies and gentlemen, de ces différents domaines. Of those different sectors. Le but de notre livre, the goal of our book, est de parler de la force dans le Seigneur. Is to talk about strength in the Lord. Le Seigneur ne nous invite pas, the Lord does not invite us, à être fort dans les différents secteurs ou domaines que je viens de citer. To not be strong in the different sectors that I have just quoted. Non, il nous parle de être fort dans sa présence. He's talking about being strong in his presence. Être fort dans la vie que nous avons décidé. Being strong in the life that we have decided. D'avoir avec lui. To have within him. Alléluia. Amen. Vous êtes là avec moi? Are you there? Alors lisons le premier verset. Let's read the first verse. Qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6. That is in Ephesians chapter 6. Verset 10. Verse 10. Les gens sont forts. People are strong. Ils sont même trop forts. They are even too strong. Wow! Wow! Un jour, one day, un jeune homme, a young man, qui a été adopté, who was adopted, par des missionnaires, by missionaries, des missionnaires coréens, Koreans missionaries. Il était d'une famille pauvre. He was from a poor family. Il n'avait pas d'argent. He had no money. Même pour aller à l'école. Even to go to school. Il a été recueilli par des missionnaires he was coréens. Welcomed by Koreans missionaries. Ici au Gabon. Here in Gabon. Ils l'ont envoyé à l'école. They sent him to school. Ils ont logé ce jeune Gabonais. They gave him a dwelling place. Ils l'ont entretenu. They took care of him. Il arrivait même à ces missionnaires. Sometimes those missionaries. De faire la popote des parents de ce jeune homme. They used even to buy food for the parents of this young man. Après plusieurs années. After many years. Quelque chose est arrivé. Something happened. Au sein même de l'église. Among the church. Parce que les missionnaires avaient leur maison même dans l'enceinte de l'église. Because the missionaries had their house into the church. Les missionnaires ont commencé à chercher de l'argent. The missionaries started seeking money. Ils n'avaient pas l'habitude d'être visités par des voleurs.
They used not to be visited by thieves. Et voyez-vous, une maison dans laquelle on ne s'attend pas à un voleur est une maison dans laquelle on ne cherche pas, on ne cache pas les choses. A house where we do not expect thieves is a house where we don't hide money. Quand vous n'êtes pas une maison où il y a des voleurs, when you're not a house where there are thieves, vous n'avez pas des cachettes spéciales. Qui reconnaît ça? You don't have special hiding. Yes, vous laissez l'argent sur la table. You leave the money on the table. Vous ne fermez pas la porte de votre chambre. You don't close the door of your bedroom. Parce que normalement chez vous, il n'y a pas de voleurs. Because normally in your house there are no thieves. Et donc les missionnaires se comportaient comme ça depuis des années d'ailleurs. So missionaries used to behave like that for years. Et puis ils ont commencé à chercher de l'argent. And then they started seeking money. Des sommes assez importantes. Important amounts of money. Et ces sommes revenaient, n'est-ce pas, de la quête de l'église. And these money were coming for the collect of the church. Après le culte, after the service, pour les autres la messe, for the other one it was just a Catholic service. Ils mettaient l'argent quelque part avant que les comptables ne viennent régler cela. They were putting the money aside before the accountant comes. Et à des moments ils se rendaient compte que l'argent avait complètement disparu. And for some moment they noticed that the money had completely disappeared. Ils se posaient la question de savoir mais qu'est-ce que c'est? They wondered what is happening here. Monsieur et madame se sont posé mille et une questions. The man and the woman wondered what happened here. Ils avaient deux enfants, une fille et un garçon. They had two children, a daughter and a girl. Et ils avaient ce jeune frère. And they had this young brother. Dans la maison. In the house. Ils ont passé 3 mois. They spent 3 months. Le voleur était intelligent. The thief was very smart. Parce que les voleurs sont souvent intelligents, juste qu'ils sont bêtes un seul jour. The thieves are usually smart, but they are just stupid one day. Et donc il s'est mis à voler avec intelligence. So he was stealing with smartness. À des moments il volait, à des moments il ne volait pas. Sometimes he was stealing, sometimes he was not stealing. Il était devenu très, très, très gentil. He became very, very kind. Il voulait nettoyer les chaussures des missionnaires. He wanted to clean the shoes of the missionaries. Il lavait, essuyait plusieurs fois le sol de leur chambre. He was sweeping the floor many times of ce qu'il ne faisait pas avant. What he used not to do. Les missionnaires trouvaient qu'il était très généreux. The missionaries find him very kind. Quand quelqu'un nettoie, essuie le sol de votre chambre 7 fois le jour. When someone swipes the room 7 times a day. Vous trouvez que cette personne est très généreuse. You find that person very kind. Vous êtes avec moi là? Are you there with me? Quand la personne veille à ce que aucun de vos vêtements ne soit sale. When the person watches that your clothes are not clean. Vous êtes sûr que vous n'avez pas un vêtement sale? Are you sure you don't have a dirty clothes? Non, il n'y en a plus. He said there's no more. Je vais chercher pour vous. He said I will seek for peut-être you. Peut-être que vous avez oublié sans maybe vous en rendre compte. You forgot without il knowing. Il était devenu très généreux. He became very kind. Ceci lui permettait de rentrer dans l'intimité du couple. It allowed him to enter the intimacy of the couple. Pour voler l'argent. To steal the money. Les missionnaires ne pouvaient même pas s'imaginer que ce jeune homme était un voleur. The missionary could not even imagine that this young man was a thief. Nous étions encore jeunes. We were very young. Et moi j'encadrais le groupe de la jeunesse. And I was the leader of the youth group. Et le missionnaire m'a appelé. And the missionary called me. Il m'a dit, he told me, quelqu'un vole chez nous. Someone steals in our home. Et c'est toi le responsable des jeunes. And you are the youth leader. Il faut trouver le voleur. You have to find the thief. Le problème c'est que aucun jeune de l'église n'avait accès à la maison des missionnaires. The problem is that no young person had a granted access. Pour ceux qui ont déjà fréquenté des missionnaires occidentaux ou autres, vous allez asiatiques même, vous allez vous rendre compte que les missionnaires sont assez fermés. For those who have been close to missionaries, you will notice that they are usually close. Ils sont bien avec vous à l'église. They are good with you at the church. Mais ils ont une vie assez rangée, n'est-ce pas, chez eux. But they have an organized life in their house. Et donc, nous avons commencé à fouiller. So we started seeking. Mais il n'y avait personne qui avait l'allure d'être devenu riche subitement. But there was no one who had the shape to become suddenly rich. Tous nos jeunes, y compris moi, c'était bien évident que nous étions pauvres. All the young people, even me, we were very poor. Un seul jeune était devenu riche. Only one young man became rich. Il avait des chaussures de 300 000 francs. He had shoes of 300,000 FCFA. Et au début de l'année scolaire, il demandait à tous les jeunes de se réunir et de lui faire la liste des besoins pour aller à l'école. And at the beginning of the year, he asked all the young people to make the list of their needs. Il avait 17 ans.
He was 17 years Comment pouvait-il entretenir tous les jeunes, surtout les sœurs? How could he take care of all the young people, mostly the sisters? Il nous disait à vous les frères, aux frères, vous êtes déjà forts, vous pouvez faire ce que vous voulez. And he was saying to the brothers, you're strong, you can do what you want. Moi, je veux surtout aider les sœurs qui ne peuvent pas avoir les cahiers, les tenues. Faites-moi la liste. I want to help the young sister who cannot have the notebooks and all. Make C'était the list. Juste impressionnant. It was just amazing. Vous êtes là avec moi? Are you there with me? Mais personne ne pouvait le soupçonner. But no one can suspect him. Puisqu'il était du côté des missionnaires et nous disait ensemble, cherchez le voleur parmi vous. And he was with the missionaries and seek, look for the thieves aside. Un jour lors d'une balade, one day with a walk around, j'allais acheter quelque chose en Bolo. I was going to buy something in Bolo. Et je l'ai rencontré en route. And I met him on the road. J'étais le responsable de la jeunesse. I was the youth leader. Je dis, comment ça va? I said, how are you? Tu vas où? Where are you going? Il m'a dit, je vais en Bolo. He said, I'm going to Mbolo. Wow. I said, wow. On y va ensemble. Let's go together. Nous sommes allés en Mbolo. We went to Mbolo. On est rentré dans un magasin. We went into a et shop. Il m'a dit, je vais prendre une chaussure. He said, I'm going to buy a shoe. Ah bon? I said, really? Ok, je vais t'accompagner. He said, I'm going to go with et you. Puis il y avait des chaussures un peu de tous les prix. And there were shoes of every amount. Et moi, je regardais les chaussures des prix normaux. I was looking the shoes that had normal prices. Et lui, il m'a dit, non, laisse ça. Il s'est tourné vers les prix des chaussures qui coûtaient extrêmement cher. And he said, leave that. He turned to the prices that were et very il a costly. Touché une chaussure, c'était les chaussures des basketteurs d'avant, donc c'était une chaussure de 395 982. And he touched a pair of shoes that was 300,000. Et il a touché la chaussure. And he touched the shoes. Et puis je lui ai dit, and then I said, mais tu touches ça pourquoi? I said, why do you touch that? Tu sais bien que toi et moi on ne peut jamais acheter ça. He said that you and I we can never buy it. Et il m'a dit aussi, and he said to me this, toi, tu ne peux pas acheter ça. You cannot buy that. Fort. Strong. Les sœurs et tout le monde voyaient ce jeune fort. The sisters and all the young people were seeing that young man strong. Pour le dernier détail, for this last detail, un jour je sortais de l'église. One day I was out of the church. Nous étions presque sûrs, mon petit conseil et moi, des jeunes, que c'était lui le voleur. My little counsel and I, we were sure that he was the thief. Mais nous n'avions pas de preuves. But we had no proof. Et un jour, je sortais de l'église. And one day I was getting out of the church. Après une réunion des jeunes. After a youth meeting. Et je l'ai vu en train de se plaindre. And I was seeing him complaining. Il disait, mais pourquoi le Gabon n'a pas de route? He said, why Gabon has no road? Et je lui disais, mais le Gabon n'a jamais eu de route. I said, but Gabon didn't never have a route. Vous savez, le Gabon n'a jamais eu de route même quand j'étais encore petit. You know, Gabon never had roads even when I was younger. C'est vrai que les quelques routes d'aujourd'hui disparaissent. It's true that the few roads that we have are disappearing. Depuis que je voyage dans le monde, je n'ai jamais vu un pays où le goudron disparaît. Since I'm traveling in the world, I've never seen a country where the road disappears. C'est seulement au Gabon que je vois. On voit comment le goudron disparaît. It's only in Gabon where we qui a see. Qui a déjà vu ça? Dans son quartier, comment il y avait du goudron là et puis c'est en train de disparaître. Who has seen where there was a road but the road is disappearing? On voit bien comment la route retourne à son état primitif. We see how the road is coming back to the primary. Qui a déjà vu ça dans son quartier? Who has seen that in your yes. neighborhood? Bon, bref. Et lui, il a constaté ça. And he has noticed that. Et puis il m'a dit, and then he told me, je dois réagir. I have to react. Et je lui ai dit, tu vas réagir comment? I said, how will you react? Il a dit, parce que ces routes-là gaspillent mes chaussures. He said, because those roads waste my shoes. Et donc je vais aller à Colas, etc. Et je vais leur demander de venir arranger ici. And I will go to Colas and ask them to arrange the route. Là, j'ai senti qu'il était devenu fou. And I noticed that he was becoming parce que mad. Parce qu'à un moment, les voleurs deviennent fous. Because at a certain time, the thieves become mad. De croire qu'ils ne seront jamais attrapés. To think that they will never be caught. Vous êtes avec moi? Are you there with me? Et puis à la fin, on l'a attrapé. And then at the end, we caught him. Le missionnaire est allé acheter quelque part chez ses compatriotes coréens. Il est allé acheter une petite caméra. The missionary went to buy a small camera with his et brothers. Il a placé ça au niveau de sa chambre, son salon et partout. And he put it in his bedroom, in the restroom, in the living room. Ce petit appareil permettait simplement de prendre des photos. This little tool allowed people to take shoots. Et puis on a eu l'impression que le problème est terminé. And we thought that the problem was over. Et puis un jour, and then one day, le missionnaire a fait un entretien avec sa femme. And the missionary had an interview with his wife. Ils ont appelé le jeune homme. They called the young man. Ils ont dit au jeune homme, they said, young man, tu as quelque chose à nous dire? Do you have something to tell us? You know. He said, no. Non, absolument rien.
absolutely nothing. Mais c'est pas toi. He said, isn't you qui vole l'argent? Who steals the money? Depuis 6 mois. For 6 months now. Il dit non. He said no. Jamais. But never. Moi je ne peux jamais vous faire ça. I can never do that to you. C'est vous qui m'entretenez. You take care of me. C'est vous qui me payez l'école. You pay my school fees. Je ne peux jamais vous faire cela. I can never do that to you. Il a commencé à faire couler les larmes. And he started weeping. Et le problème c'est que le missionnaire n'avait pas montré les photos à sa femme. The problem is that the missionary didn't show the photos to his wife. Alors la femme a dit au missionnaire. So the wife said to the missionary. Mais comment tu peux accuser l'enfant? But how can you accuse the son? Et il s'est mis à pleurer. And he started weeping. Il a dit moi. He said me. Jamais. Never. Jamais. Never. Moi je ne peux jamais vous faire ça. I can never do that to you. Il s'est mis à pleurer. He started weeping. Et la femme du missionnaire s'est levée. And the wife of the missionary stood up. Pour dire lève-toi. She said stand up. Elle a parlé en coréen. She's talking Korean. Yuching chang chong ching. Chang Fang Ching Pong. Pourquoi tu fais ça à l'enfant? Why do you do that to the young man? Et le missionnaire and the missionary a pris une enveloppe, took the envelope, et il a mis les photos sur la table. And he put the photos on the table. Et il y avait toutes sortes de photos. And there were all kinds les of photos. Les photos où le jeune était comme ça. The photos where the young man was like that. Les photos où il avait l'argent en main. The photo where he had money in hand. Les photos où il mettait ça dans les poches. The photo where he was putting in the pocket. Et pendant que le jeune était en train de pleurer. And while the young man was weeping. Et que la femme du missionnaire tapait au jeune sur l'épaule en disant ça va, ça va. And ça the va. Missionary's wife was just shaking his shoulders. Quand ils ont vu les photos. When they saw the photos. Les larmes de ce jeune ont complètement disparu. The tears of this young man disappeared. Whoop! Son visage a changé. His face had changed. Voyez-vous, la force est une chose qu'on peut trouver dans beaucoup de domaines. Do you see, strength is something we can find in many sectors. Il y a des gens qui peuvent être très forts à faire comme si tout allait bien. There are people who can be very strong to do as if everything is okay. Il y a des acteurs qui ne font même pas du cinéma mais qui sont très forts. There are actors who are not in cinema but they are very strong actors. Même dans l'église. Even in the church. Les gens peuvent vous tromper pour tout et pour rien. People can deceive you for everything and nothing. Ce que nous voulons voir maintenant. What we want to see now. C'est qu'il n'y a pas que la force dans le mal, il y a aussi la force de Dieu. There's not only strength in evilness, but la there's force only de strength Dieu in God. Est exceptionnelle. God's strength is exceptional. C'est à travers la force de Dieu que le monde existe. It's through God's strength that the world exists. Nous avons tort de ne pas regarder ou encore tourner notre regard sur la force de Dieu. We are wrong to not turn our looks toward God's strength. Savez-vous qu'en ce moment, partout dans le monde, à cause de la pandémie, des milliers de gens sont morts sauf vous. Do you know that in the whole world, millions of people have died except you? En regardant les réseaux sociaux, j'ai vu un compatriote très connu qui est mort il y a quelques heures seulement hier. Looking at the social network, I have seen a citizen who have died hours ago. Quelque chose qui n'a pas de nom vous maintient encore vous en vie. And something that has no name keeps you still alive. Je peux vous rassurer. I can tell you. Ce n'est pas à cause de votre diplôme ou à cause de votre qualification professionnelle. It's not because of your degree or your professional qualification. Vous n'êtes pas vivant parce que vous êtes meilleur que quelqu'un. You are not alive because you're better than someone. Vous êtes vivant. You're alive. Parce que sa force. Because his strength. Vous maintient. Keeps you. Encore. Still. Vivant. Alive. La seule raison pour laquelle vous êtes vivant. The only reason why you're still alive. Lorsque Dieu aura décidé, when God will decide, pour vous et pour moi, for you and I, quand il aura dit when he would have said, que le temps est arrivé, that the time has come, suivez-moi, listen to me, aucune force de ce monde no strength of this world ne vous maintiendra en vie, will keep you alive, ni la force de votre argent, nor the strength of your money, ni les relations que vous avez dans ce monde, nor the relationship you have in this ni world, le statut dans lequel vous êtes. Nor the status in which you are. Aucune force ne pourra vous maintenir. No power will keep you alive. C'est la raison pour laquelle. That's the reason why. Je me sens en paix de vous parler de la force de Dieu. I feel in peace to talk about God's strength. Le texte que nous apprêtons à lire. The first we're about to read. Nous montre que nous pouvons prendre la force dans la grande force de Dieu. Means that we can take strength in God's great strength. Regardez ce que le texte dit. Look what the verse says. Le texte est si fort. The verse is so strong. Voilà ce que le passage dit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Devenez fort dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante.
et par sa force toute puissante. Amen. Ce qui signifie qu'au fond, nous pouvons devenir forts en prenant la force. It means that we can become strong by taking strength. Qu'il y a dans le Seigneur. That is in the Lord. Voyez-vous la force? Do you see strength? C'est la puissance de l'action. Is power of action. Quand on parle de force, when we talk about strength, c'est la capacité physique ou spirituelle. Is the physical or spiritual ability. La force, strength, c'est le pouvoir d'agir. Is the power to act. Quand on parle de la force, when we talk about strength, il ne s'agit pas d'une puissance stérile, mais une puissance active. It's not about an unfruitful strength, but it's an active power. Il y a la force économique. There's economic strength. Il y a même une force mentale. There's even a mental strength. Il y a la force physique. There's physical strength. Voyez-vous, quand une femme est sportive, when a lady is making sport, même si c'est une femme, even though it's a lady, elle peut être forte. She can be strong. Elle peut même être musclée. She can have muscles. Simplement, only parce qu'elle va développer ses muscles et sa force. Because she will develop her muscles and strength. La force est une chose d'une grande importance. Strength is something that is very important. Quand une nation est plus forte qu'une autre, when a nation is stronger than another one, elle peut tenir l'autre nation en esclavage. She can subject the other nation. Une nation forte, a strong nation, n'a pas besoin d'envoyer tous ses soldats, doesn't need to send all her soldiers, pour déstabiliser une nation faible, to overcome a weak nation. Il s'agit de quelques personnes seulement, only few persons, quelques experts seulement, only experts. C'est la raison pour laquelle quand vous voyez le monde entier, therefore when you see the whole world, les pays forts, strong countries, ça c'est those strong countries, ils ont les sièges les plus importants. They have the most beautiful seats. Même s'ils vous convient à leur séance, vous ne décidez pas. Even they convey you to their session, you do not decide. Ce sont eux qui sont forts. They are the strongest. Ils décident de ce que devient votre cacao. They decide what becomes your cacao. Votre pétrole. Your petroleum. Vos ressources naturelles. Your natural resources. Les forts. The strong person domine les faibles. Dominates the weakest. Nous rendons gloire à Dieu. We give glory to the Lord. Il est le plus fort. He is the strongest. Dieu n'est pas seulement éternel. God is not only everlasting. Il n'est pas seulement celui qui sait tout. He's not only the one who knows all. Il est encore. He's mostly El Shaddai. El Shaddai. Le plus puissant. The most powerful. Le plus capable. The most able. Le plus fort. The strongest. Mesdames et messieurs, je vous apprends que Dieu est plus fort que notre gouvernement. Ladies and gentlemen, let me tell you that God is stronger than our government. Plus fort que tous ceux qui décident dans cette nation. Stronger than those who decide in this nation. Dieu est plus fort que les parents de chaque maison. God is stronger than all the relatives. Il est plus fort que chaque enfant. He's stronger than every children. Dieu est plus fort que toutes les religions du monde. God is stronger than all religions of the world. La Bible dit, the Bible says, prenez sa force. Take his strength. Et devenez fort. And become strong. Nous avons besoin de la force de Dieu. We need God's strength. Le monde est si gaspillé. The world is so spoiled. Le monde est si malade. The world is ill. Tout veut nous détourner de Dieu. Everything strays us away nous, from God. Nous les chrétiens, us the Christians, nous avons besoin de prendre la force de Dieu. We need to take God's strength. Aujourd'hui, today, plus rien ne marche. Nothing works. Il n'y a pas qu'une crise sanitaire. There's not only an illness. Il y a une crise multidimensionnelle et sectorielle. There's a crisis in every sectors. Les choses ne marchent plus même dans les maisons. Things don't work even in houses. Les couples se déchirent. Couples are destroyed. Les enfants n'obéissent plus à leurs parents. Children don't disobey their parents. L'État est complètement irresponsable. The government is, has plus rien ne marche. Nothing works. Les gens utilisent même la pandémie pour continuer à arnaquer les autres. People even use the disease to sway lay people. Nous avons besoin de la force de Dieu. We truly need God's strength. La force de Dieu pour ne pas être corrompu. God's strength to not be corrupted. Nous avons besoin de la force de Dieu pour vivre longtemps. We need God's strength to live long. Nous avons besoin de la force de Dieu pour voir nos enfants réussir peu importe les circonstances. We need God's strength to see our children succeed. Nous avons besoin de la force de Dieu parce que nous aussi nous pouvons devenir riches sans nous prostituer. We need God's strength because we can become rich without prostituting ourselves. Paul dit, Paul says, fortifiez-vous. Strengthen yourself. Prenez la force. Take the strength. Prenez la force. Take the strength. Nous pouvons prendre la force. We can take the strength. Nous pouvons acquérir la force. We can acquire the strength. Pour nous maintenir. To maintain. Afin de ne pas bien commencer pour mal terminer. So that we will not start well and end badly. D'où nous attaque?
everything attacks. Aujourd'hui, vous avez envie de prier. Today you want to pray. Et puis demain, vous vous sentez faible. And tomorrow you feel. Qui sait de quoi je parle? Who knows what I'm talking aujourd'hui, about? Aujourd'hui, c'est bien. Today it's good. Et puis demain, ça ne marche pas. And tomorrow it doesn't work. Aujourd'hui, vos factures de SCG sont normales. Et puis demain, vous avez une grosse somme qui tombe. Today you have a good tax, but tomorrow it's big. Les choses vont de travers. Things are going wrong. Paul dit. Paul says. Prenez la force. Take the strength. Prenez la force de Dieu. Take God's strength. Puisez la force de Dieu. Take God's strength. Je voudrais rapidement. I would like quickly. Pour terminer. To end up. Vous montrer quels sont les éléments qu'il faut prendre pour devenir enfin l'enfant de Dieu fort. What are the elements that you need to become the God, the son of God that is strong? Parce qu'on peut prier mais on est faible. Because we can pray but being weak. On peut aller à l'église mais on est faible. We can go to church but we're weak. On peut aller à l'église mais on est victime. We can go to church but we are victimized. Commérage de mensonges. Of criticism and lies. De conciliabules. A lot of conscience. Des gens peuvent se mettre dans un coin seulement pour vous nuire. People can be in a corner only to kill des you. Des gens sortent en vampire pour tuer vos enfants. People go mystically only to kill your des children. Des gens physiquement vous préparent des traquenards, des choses bizarres. People are preparing physically traps for des you. Des gens vous haient alors que vous ne leur avez rien fait. People hate you or you have done nothing wrong. Il faut prendre la force de Dieu. You need to take God's strength. Être enfant de Dieu, ça ne suffit pas. Being a son of God does not is Il not Il faut être l'enfant de Dieu fort. You need to be the child of God strong. L'enfant de Dieu capable. The child of God able. Ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion alors qu'il n'avait rien fait. They threw Daniel in the pit of lion, he had done nothing. Ils ont accusé Joseph de viol alors qu'il n'avait rien fait. They accused Joseph of rape or he had done nothing. Ils ont tué Martin Luther King Jr. simplement parce qu'ils croyaient que les noirs avaient les mêmes droits que les blancs. They killed Martin Luther King only because he believed that the Vous, black people had their rights. Nous you, devons comprendre que la force de Dieu existe. We must understand that God's strength Et exists. Nous devons la puiser. And we must take it. Prendre cette force. Take that strength. Pour nous maintenir dans ce monde de bandits et de voleurs. To maintain ourselves in this world of bandits and thieves. Nous devons puiser la force de Dieu. We must take God's pour strength. Nous. For us. Pour nos parents. For our relatives. Pour nos enfants. For our children. Pour nos frères et sœurs. For our brothers and sisters. Nous devons puiser la force de Dieu. You must suck God's pour maintenir strength. Papa et maman. To maintain daddy nous devons puiser la force de Dieu you must suck God's strength. Pour que notre pays, le Gabon, ait un avenir certain. So that our country, Gabon, il nous faut, nous l'Église, puiser la force. We, the church, we must suck the strength. Pour que nous ne soyons pas derrière les petites portes. So that we will not be behind the little doors. À commander comme tout le monde. To beg like everyone. À recevoir des pots de vin. To receive gifts. Nous devons puiser la force de Dieu. We must suck into God's pour strength. Pour que nos capacités et nos qualités soient connues de tout le monde. So that our ability and quality may be pour known. Que notre compétence professionnelle ne soit pas étouffée. So that our competence, professional competence may not be strangled. Nous devons tirer la force de Dieu. We must withdraw God's pour que ceux strength. Qui volent à votre voisin ne vous volent plus. So that those who steal your neighbor may not pour steal que vous you. Ne soyez plus victime de ce qu'on a fait à votre père hier. So that you may not be the victim of what was done to your father yesterday. Nous devons tirer la force we de must Dieu. Withdraw God's strength. Hallelujah. Amen. Tous ceux qui ne seront pas forts vont subir la vie. All those who won't be strong will be subjected to life. Un. One. Vous devez être fort. You must be strong. Et être fort. And be strong. C'est être affirmé. Is to be firm. Fort. Strong. Signifie. Means. Que vous êtes stable. That you are stable. Qu'on ne peut pas vous faire sortir de la foi chrétienne. That we cannot bring you out of faith. Affermissez-vous. Strengthen yourself. Restez attaché à Jésus. Be linked to Jesus. Tout ce qu'il dit est faux. All what they say are false. Ils ont commencé à mourir. They have started to die. Riche mais mort. Rich but dead. Leur argent n'a pas pu sauver leur corps. Their money could not save their bodies. Eux aussi quittent le monde. Or they also leave the world. Restez attaché à Jésus. Stay attached to Jesus. Affermissez votre foi. Become very firm in faith. Restez fort. Be strong. Être fort. Be strong. Deux. Two. C'est être inébranlable. Is to be unmovable. Quand vous êtes fort. When you are strong. On ne change pas votre opinion. We don't change your opinion. Hier vous étiez un voleur. Yesterday you were a thief. Un alcoolique. You were not a drunkard. Hier vous étiez quelqu'un d'une mauvaise vie. You had an evil life. Vous couchiez avec plusieurs hommes en même temps. You used to go with a lot of men. Aujourd'hui Jésus vous a touché. Today Jesus has touched Et you. Vos parents.
And your parents, vos amis, your friends, vos collègues, your colleagues, vous disent que laissez-moi ces choses de Dieu là. Tell you that leave those things of God. Le problème c'est que vous, vous savez d'où vous venez. The problem that you know where you come from. Vous savez que Dieu a touché votre cœur. You know that God has touched your heart. Vous savez que Dieu vous a changé. You know that God has changed you. Vous savez que vous étiez une prostituée cachée. You know that you were a hidden prostitute. Vous savez vous-même ce que vous faisiez dans l'ombre. You know yourself what you used to do in the Alors shadow. Vous devez rester inébranlable. So you must stay unmovable. Peu importe ce que vos collègues disent. No matter what your colleagues say. Peu importe ce que vos amis et vos No matter what your friends and vous savez says, que Dieu vous a tiré du noir. You know that God has drawn you from the dark. Restez fort. Stay strong. Inébranlable. Unmovable. Vous êtes avec moi? Are you there? Vous êtes avec moi? Are you there? Ils ne vous amèneront nulle part. They will bring you nowhere. Ils vous ramèneront seulement dans ce que vous savez déjà. They will just bring you back in what you already know. Et qui a gaspillé votre vie et même vos parents. And what has wasted your life. Ils vous amèneront vers les féticheurs. They bring you to see the wizards. Ils vous amèneront vers les gangas. They will bring you toward the witch. Ils vous amèneront vers les bars. They will bring you in bars. Mais c'est ça ou c'est pas ça? It's true or not? Ils ne vous amèneront nulle part. They will bring you nowhere. Ils vous demandent de quitter l'église, de ne pas trop être chrétien, juste pour vivre la vie que vous avez déjà vécue autrefois. They ask you to leave the church and not be Christian, just to make you live the life you already live. Ils font comme si ils méprisent votre conviction. They do as if they despise your convictions. Mesdames et messieurs, restez inébranlables. Ladies and gentlemen, stay unmovable. Vous êtes avec moi? Are you there? Fort. Strong. Pour être fort. To be strong. Devenez spirituel. Become spiritual. L'homme spirituel. The spiritual mind. C'est celui qui croit que à part le monde visible, il y a l'autre monde. Is the one who believes that apart the visible world, there's the other world. Vous savez? You know, la plupart des gens most people font exprès de ne pas voir. Do as if they don't see. Par exemple, for example, ceux qui ne croient pas au monde invisible. Those who don't believe into the ou visible encore, world. Qui méprisent complètement Dieu. Who despise completely God. Savez-vous que la plupart d'entre eux ont enterré leurs parents? Do you know that most of them have buried their parents? Leurs papas. Their fathers. Maman. Mothers. Certains ont enterré leurs enfants. Those have buried their children. Ils ont vu quelqu'un. They have seen someone qu'ils ont touché, that they have touched, avec qui ils ont mangé, with whom they have eaten, mourir, dying. Ils ont pris le corps, they took the body, ils sont allés jeter le corps sous la terre, they throw the body under the ground, ils ont fermé, and they closed it. Ils savent, they know que le parent, that the relative, n'était plus dans le corps, was no longer into the body. Aujourd'hui, today, ceux qui ont dirigé le pays, what they have led the country, sont morts. Have died. L'homme, the man, n'est pas que la nourriture, is not only food, les alcools, alcohol, le travail, work. Le compte en banque. Bank account. Et le petit diplôme. Little degrees. L'homme est bien plus que cela. The man is more than Il that. Est un esprit. He's a spirit. Qui vit dans un corps. That dwells into a body. Et dont Dieu lui a donné un temps. And that God has given a time. Le temps de se repentir. The time to repent. Vous devez devenir fort en devenant spirituel. You must become strong by becoming spiritual. Celui qui est spirituel prie. The spiritual man prays. Celui qui est spirituel jeûne. The spiritual one fasts. Celui qui est spirituel lit la parole de Dieu. The spiritual one reads the word of God. Celui qui est spirituel adore. The spiritual one worships. Celui qui est spirituel se met à genoux. The spiritual one bows down. Il rencontre le Seigneur de l'univers. He meets the Lord of the universe. Celui qui est spirituel sait. The spiritual one knows. Qu'au-delà de tout ce que nous faisons, that beyond what we are doing, bientôt tout va terminer. Soon everything will end up. L'homme spirituel, the spiritual man, est celui qui croit que au-delà des corps physiques, il y a des corps invisibles. Is he who believes that beyond physical body there are spiritual bodies? Il sait que les esprits fonctionnent et travaillent. He knows that the spiritual functions and works. Ils sont à l'origine des guerres. They are the origin of wars. Des incompréhensions. Of all misunderstandings. Des divisions. Divisions. Celui qui est spirituel, the spiritual one, est tout. Is not everyone. Sauf aveugle. Except blind. Il sait qu'au-delà de ce qu'on voit, he knows that beyond what we see, il y a ce qu'on ne voit pas. There is what we don't see. Devenir fort, becoming strong, il faut arrêter de fonctionner comme eux. Stop working like them. Eux, ils se disent qu'il n'y a que le bureau. They think that there's only the office. La grosse voiture. The big car. Il n'y a qu'un billet pour aller à Paris. There's only a ticket to go Ils to Paris. Ils se disent qu'il n'y a qu'une chambre d'hôtel avec des robes, des draps blancs sur le lit. There's a hotel room with white pour sheets eux, on the bed. Il n'y a que le restaurant. For them, there's only the restaurant. Pour eux, il n'y a que le costume. For them, there's only the suit. Ils se disent que la vie commence ici. They think that life starts here. Et termine ici. And ends up here. Nous sommes forts.
We are stronger. Nous savons qu'au-delà de toutes ces choses, we know that beyond all those things, il y a l'esprit créateur. There's this creative spirit devant lequel chacun d'entre nous sera en face. Before all of us will be. Et quand il t'appelle, and when he calls you, même si tu es grand, even though you're great, tu viens. You come. Tu meurs. You die. À Chambrier. At Chambrier. À El Rafa. At El Rafa. Ou bien pendant que tu prends l'avion pour fuir à Paris. As while you're taking the plane to run away in Paris. Il te prend la vie. He takes up your life. Nous sommes spirituels. We are spiritual. Devenez fort. Become strong. Vous êtes avec moi? Are you there with me? Ces choses ne sont donc pas négligeables. So those things are not deniable. Pour être l'homme, le chrétien fort, to become the strong Christian, vous devez accepter d'être saint. You must accept to be holy. La sanctification. Holiness. Tous les problèmes. All the troubles que nous connaissons dans le monde that we know into the world ont une seule cause. Have one cause. Le péché. Sin. Le péché. Sin. Faire ce que Dieu dit de ne pas faire. Do what God refuses to do. Vivre comme si Dieu n'a rien dit. Live as if God has said nothing. Diriger son corps, sa vie et ses pensées comme on veut. Manage your body, your thoughts like you want. S'appuyer sur ses acquis et c'est bien. Bear on what you have as goods. Et puis se dire, écoutez, la vie c'est ce qu'on veut faire et puis on fait. To say, oh listen, life is what we want le to do. Le péché. The sin. La source de tout le mal. The source of all troubles. Lorsque vous voulez être fort, when you want to be strong, vous devez trouver vos péchés. You must find your sins. On ne vit pas comme si vous n'avez pas de péché. Don't do as if you had no sins. Vous êtes pasteur, vous avez vos péchés. You are pastor, you have your vous sins. Êtes diacre, vous avez vos péchés. You are a deacon, you have your vous sins. Êtes responsable de chorale, vous avez vos péchés. You are a choir leaders, you have la your Bible sins. Dit the Bible says, personne no one ne verra le Seigneur shall see the Lord sans la sanctification. Without holiness. Alors il vous faut connaître vos péchés. You must know your sins. Il vous faut les compter. You must count them. Il vous faut être conscient de cela. You must be aware of that. Et il vous faut prendre la décision un après l'autre de décider d'abandonner chaque péché chaque jour et à chaque instant. You must take the decision to leave all of your sins each day, each instant. Il n'est pas question d'aller seulement à l'église. It's not about only going to church. Et d'être un chrétien seulement. And to only be a Christian. Et de vivre librement dans le péché. And to live freely into vous the sin. Vous êtes censé être culpabilisé. You are supposed to feel guilty. Par le péché que vous venez de faire avant de venir à ce culte. By the sin that you have done before coming to the service. Mesdames et messieurs, Dieu ne vous fera pas rentrer au paradis avec vos péchés. Ladies and gentlemen, God will not make you enter in paradise with your trouvez sins. Vos péchés. Find your sins. Dans le vol, in thieves, le mensonge, in lies, la colère, in anger, l'adultère, in adultery, la fornication, in fornication, l'alcoolisme, le trop manger, in eating too much. Trouvez vos péchés. Find your sins. Trouvez vos péchés. Find your sins. Puisque vous avez des péchés, you know you have your sins. Ne faites pas comme si vous n'avez pas de péché. Don't pretend you don't vous have êtes un pécheur. You are a sinner. Je suis un pécheur. I am a que sinner. Chacun de nous trouve ses péchés. May each of us et que find chacun our sins. Traite de ses péchés. And may each of us treat our sins. Quand on a trouvé des ordures à la maison, on met ça dans un sac poubelle et on va jeter ça ailleurs. When we find dirt in our house, we trouvez put it in the garbage. Vos péché. Find your sins. Devenir un chrétien fort. Becoming a strong Christian. Le chrétien fort connaît ses péchés. The strong Christian knows et il se repent de ses. And he repents from il fait le jeûne pour abandonner son. He fasts to leave his. Il va en retraite pour arrêter ses. He goes on retreat to stop his. Yes. Être un chrétien fort. Being a strong Christian. C'est aussi être un chrétien mûr. Is to be a mature un chrétien mature. A mature Christian. Un chrétien qui a compris. A Christian who has understood. Un chrétien apte. A Christian who's able. Très impliqué. Very involved. Voyez-vous, plus vous êtes impliqué dans la chose de Dieu, plus vous connaissez Dieu. More you are involved in God's work, more you know God. Et plus vous connaissez Dieu, il peut vous donner ce que vous ne pouvez pas acheter. The more you know God, the more he can give you what you cannot buy. Savez-vous que tous les membres les plus
riches même de ce pays vont mourir? Do you know that all the most rich people of this world will die? Savez-vous que tous vos professeurs d'université vont mourir l'un après l'autre? Do you know that all of your teachers of university will die one after Savez-vous que vous allez mourir? Do you know that you will die? Et savez-vous que vous allez mourir sans avoir accompli toujours tous vos projets? Do you know that you will die without achieving all your projects? Savez-vous que vous pouvez mourir même sans avoir envie de mourir? Do you know that you can die without even wanting to die? Dieu peut vous donner ce que vous ne pouvez pas acheter. God can give you what you cannot buy. Il peut vous donner la protection. He can give you protection. C'est pourquoi vous devez mieux connaître Dieu. Therefore, you should know him more. Dieu peut préserver votre maison d'incendie. God can preserve your house from fire. Et c'est pourquoi vous devez mieux connaître Dieu. Therefore, you should more know God more. Mieux vous impliquer. Be more involved. Dieu peut empêcher l'avion qui vous transporte de faire un crash. God can prevent the plane you are taking to make a crash. Messieurs et mesdames, soyez raisonnables. Ladies and gentlemen, be reasonable. Devenez mûrs, attachez-vous à Dieu. Become mature, attached to God. Cherchez à mieux le connaître. Try to know him more. Car il est écrit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi et Jésus-Christ que tu as envoyé. And the Bible says that eternal life is that they know you and the one you have sent. Être un chrétien fort. Being a strong Christian. C'est donc un chrétien qui est très impliqué dans les choses de Dieu. He's a Christian who's very involved in God's work. C'est au Gabon que je vois des gens qui, au nom d'un diplôme, ne croient pas en Dieu. It's in Gabon that I see that people, in the name of a degree, they cannot believe in God. C'est au Gabon que je vois quelqu'un qui a réussi sa petite boutique et qui se fait appeler homme d'affaires et puis qui ne croit pas en Dieu. It's in Gabon where I see someone who has succeeded in his little shop being called a businessman. C'est au Gabon que je vois que parce qu'on est on a accédé à un niveau de ministre, on ne croit pas en Dieu. It's in Gabon where I see that because someone is a minister, he does not believe in God. Vous devez savoir que des pays bien plus puissants que le Gabon. You must know that countries who are more powerful than Gabon au sein de l'agence qui dirige des chrétiens et des croyants. They have among the government, the ministers, Christian and believers. Des présidents chrétiens. Today you have presidents who are believers. Vous avez des chefs d'État qui jurent sur la Bible. You have head of states who swears on the Bible. Vous avez des hommes d'affaires chrétiens. You have businessmen who are Christians. Vous avez des puissants investisseurs chrétiens. You have powerful investors who are Christians. Je ne sais pas pourquoi dans ce pays, dès que tu as un peu dépassé ton salaire, tu penses que le premier statut que tu dois avoir, c'est incrédule. I don't know why people think that when you have a little bit money, the first statue you must have is incredulous. Quelques jours avant la mort de Michael Jackson, une des méga stars aux États-Unis, j'ai vu comment il était dans le véhicule avec son pasteur. Qui est ton pasteur? Days before Michael Jackson had died, I have seen him in the car with his pastor. Who's your pastor? J'ai vu Donald Trump avec son pasteur. Qui est ton pasteur? I've seen Donald Trump with his pastors. Who is your pastor? Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. It is written, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Il me dirige, il me conduit dans les airs paisibles. He il guides restaure me mon âme. Into the grass. Ok, tu as étudié en économie, mais qui entretient ton âme? Okay, you have studied in economy, but who takes care of your soul? Parce que la chose que tu vas perdre, c'est ton âme, pas tes biens. Because the thing that you will lose is your soul, it's not your goods. Okay, tu es diplômé, je ne sais pas dans quoi, mais qui entretient ta foi? Okay, you are degraded in what I don't know, whatever, but who takes care of your faith? Parce que même un petit problème qui ne marche pas peut te créer un AVC. C'est désormais légion dans ce pays. Because a little trouble that doesn't work can create you an accident. It is working in this country. Pourquoi tu n'es pas chrétien? Why aren't you a son of God, a Christian? Pourquoi tu ne donnes pas ta vie à Dieu? Why don't you give your life to God? Pourquoi Jésus ne dirige pas ton cœur? Why Jesus doesn't lead your heart? Et pour toi qui as fait ce choix, deviens un chrétien fort. And for you who have made that choice, become a strong Christian. Très fort. Very strong. Mûr. Mature. Un chrétien mûr. A Christian who's mature. Enfin, deviens un chrétien zélé. And at least become a zealous Christian. Prompt. Quick. Rapide. Quick to do. Un chrétien engagé, impliqué. A committed, involved Christian. Arrête d'être un assistant. Stop being an assistant. Un visiteur. A visitor. Un partisan. A guest. Il y a des gens qui ne sont même pas dans les services secrets et qui viennent à l'église comme s'ils viennent observer. And there are people who are not even secret service, but they come at church to observe. Pendant que vous pensez qu'ils écrivent la prédication et les points qui sont énumérés, ils sont en train de dessiner l'orateur.
While they are, you think that they are writing, they are just drawing the speaker. Ils sont calmes comme s'ils travaillent au CEDOC ou bien dans les services secrets. They are calm as if they work in the secret service. Alors qu'ils sont responsables du bar de leur quartier. Or they are just the leader of the bar of their neighborhood. Deviens zélé pour les choses de Dieu. Become zealous for God's work. Implique-toi. Involve yourself. Mets la main dans la chose de Dieu. Be committed in God's work. Décide de soutenir l'œuvre. Decide to support the work. Nous avons tellement de choses à faire pour Jésus. We have so many things to do for Jesus. Nous nous apprêtons à envoyer 5 missionnaires à Lomé pour Jésus. We are about to send 5 missionaries in Lomé for Jesus. 5 jeunes missionnaires. 5 young missionaries. Vous êtes là avec moi? Are you here with me? Sois zélé. Be zealous. Tout à l'heure à la réunion de travail, je vais solliciter les pasteurs de centre et tout le monde pour soutenir les missionnaires. At the workshop, I will call people who can support the missionaries. Tu peux soutenir cette œuvre. You can support this work. Jésus prêchait à Lomé par une église gabonaise. Jesus preached in Lomé by a Gabonese church. C'est magnifique. Nous aussi, nous envoyons des missionnaires des Gabonais. It's wonderful. We send missionaries from Gabon. Nous n'avons pas seulement reçu des missionnaires. Nous aussi, nous envoyons des missionnaires. We have not only received missionaries. Now we are sending missionaries. Qui vont jusque dans les Amériques prêcher Jésus. Who are going in America to preach Jesus from Gabon? Tu peux devenir un chrétien zélé. Ça te rendra fort. You can become a zealous Christian. It will make you strong. Prompt pour la chose de Dieu. Quick for God's work. Sans attendre. Without waiting. Tu étais le plus rapide quand il s'agissait de faire la cour aux gens. You were the quickest person when it was about to wait ladies. Et aujourd'hui tu es marié mais tu traques toujours rapidement les femmes. Today you are married but you're still going after ladies. Tu es le plus rapide quand il s'agissait de goûter la nouvelle boisson, la nouvelle bière qui est sortie. You were the quickest when he was about to taste the new beer that came out. Maintenant aujourd'hui Jésus t'a touché ou bien il est sur le point de te toucher. Tu peux aussi être le plus rapide à faire l'œuvre de Dieu. Now that Jesus has touched you and he's about to touch you, you can be the quickest to do the work of God. Rapide, quick, zélé, zealous, prompt, quick. Tu peux le faire. You can do it. Voici quelques éléments. These are few elements. Tout en espérant que chacun de nous va déguster le livre pendant tout le mois. Hoping that each of us will just eat the fruit for all of the month. Devenir un chrétien fort. Becoming a strong Christian. Fort contre les démons. Strong against the demon. Fort contre la sorcellerie des autres. Strong against witch. Fort contre les mauvaises intentions de tes ennemis. Strong against the bad intentions of your enemies. Devenir un chrétien fort. Becoming a strong Christian. Fort pour te maintenir sans avoir besoin de t'appuyer sur un homme. Being strong without backing up on a man. Fort pour progresser sans dette, sans même une dette morale. Strong without progressing even a moral debt. Devenir un chrétien fort. Becoming a strong Christian. Qui finit par construire sa maison. Who ends up building his house. Et quitter la location. And living renting. Devenir un chrétien fort. Becoming a strong Christian. Qui finit avec son petit travail de payer les études de ses enfants. Who with his little job pay his children's studies. Devenir un chrétien fort. Becoming a strong Christian. Qui malgré l'absence des parents, bien qu'étant orphelin, réussit à finir son école et ses études. Who even by being an orphan can end up school. Devenir un chrétien fort. Becoming a strong Christian. Un homme de Dieu. A man of God. Une femme de Dieu. A woman of God. Qui est capable en même temps de gérer son travail mais aussi de bâtir l'église. Able at the same time to manage their work and build the church. Devenir plus fort. Becoming stronger. Plus fort que la maladie. Stronger than illness. Plus fort que le diagnostic des médecins. Stronger than doctor's diagnosis. Devenir si fort. Becoming stronger. Au point de sortir de ses dettes. At the point of leaving your debts. Et de vivre de son argent. And live with your money. Devenir un chrétien fort. Becoming a strong Christian. Je vous invite à vous mettre debout pour la prière. I invite you to stand up for prayer. Fort. Strong. Un chrétien fort. Strong Christian. Si fort. So strong. Il est écrit. It is written. Au reste. At the end. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Strengthen yourself in the Lord. Et par sa force toute puissante, que chacun de nous prenne sa force. And by his almighty strength. Alors tu peux lever tes mains vers Dieu qui te connaît.
Now raise your hand toward God. Il connaît ta famille. He knows your family. Il connaît ta maison. He knows your house. Il connaît ta vie. He knows your needs. Pendant que tes mains sont levées vers le Seigneur des Seigneurs. As your hands is lifted up toward the Lord of Lords. Une prière se lève de ta bouche et de ton cœur. A prayer comes out of your heart and your mouth. Parle au Seigneur qui te voit maintenant. Talk to the Lord who sees you now. Dis-lui quelque chose. Tell him something. Accepte sa parole dans ton cœur. Accept his word into your heart. Prie maintenant. Pray now. Pray. Pray now. Accepte sa force. Accept his strength. Accepte que Dieu te soutienne. Let God support you. Seigneur. Lord. Thank you, Jesus. Marobo seca ramanda ravayere boborobo seca. Teriamando jela bakaba. Teriamando legere boscora mandere bos. Keria braca santo la makaya. Lève tes mains vers Dieu pendant que tes yeux sont fermés. Raise your hand toward God as your eyes are closed. Et fais avec moi cette prière. Make me, with me this prayer. À l'endroit où tu es. Where you are. Une prière personnelle à Dieu. A personal prayer to God. Où tu acceptes sa force. That you accept his strength. Dis avec moi. Say with me. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Tu me connais personnellement. You know me personally. J'accepte ta force. I accept your strength. J'accepte ta grande force. I accept your great strength. Touche-moi. Touch me. Profondément. Deeply. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Je veux te connaître. I want to know you. Mieux te connaître. Know you more. Pour te servir. To serve you. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Prends ma vie. Take my life. Et prends ma maison. And take my house. N'oublie pas ma famille. Don't forget my family. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Merci pour ta force. Thank you for your strength. Qui me guérit de toutes sortes de maladies. That heals me from all kinds of illnesses. Et qui me délivre du mal. And that delivers me from evil. Merci Jésus. Thank you Jesus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur à l'endroit où tu es. Clap the Lord wherever you are. Wow! Wow! Yes. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Veuillez vous asseoir. You may be seated. Voici donc le document que nous méditons pour, n'est-ce pas, ce mois. This is the document that we meditate all along this month. Comment pouvez-vous devenir un chrétien? Fort. How you can become a strong Christian. Écoutons ce chant et nous allons prier pour l'offrande et la fin. Let's listen to this song and we'll pray for the end. Que je suis fort.
Pasteur Linda. Hallelujah. Vous pouvez vous lever avec une offrande missionnaire. Maintenant, à l'endroit où...